Messieurs, dames, bonjour, bonjour à tous. 8h28, on a un petit peu d'avance pour cette 12e matinale sur Twitch en direct. C'est juste milieu, vous le savez, on se retrouve pour démarrer chaque semaine avec la banane. Ça, c'est le plus important. On démarre à fond la forme. Profitez bien de cette tignasse à la con parce qu'à midi, je sais quoi faire. Voilà, non, mon première info déjà. On part sur un standard, c'est pas encore France Info, mais on y travaille. En tout cas, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine pleine d'actualités. Vous le savez, il va y avoir beaucoup de plaisir cette semaine. Ah, il va y avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de choses, beaucoup de vidéos qui arrivent. Il y a les podcasts qui sont là. Enfin, on est sur un rythme complètement fou. Merci à Cesdel, d'ailleurs, on commence bien, qui vient de sub. Et c'est le sixième mois. Donc là, voilà, il faut quand même le préciser. Merci à toi, mon Cesdel. Voilà, j'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que le week-end a été bon. Il y a tout le monde qui est là. Il y a Esprit Critique, il y a Marivou 40, il y a Babette 45, Hélène 084, Bobzer 23. Il y a tout le monde. Merci. Il y a Gator 86 qui vient de Subprime. C'est le deuxième mois. Et qui vit content de te retrouver. Merci pour les émissions. Mais merci à toi, mon Gator. Merci beaucoup, les amis. Salut à Vav1973, qui est également un petit nouveau. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Courage à Ichigo Bankai38, qui dit reprise du boulot ce matin. Ah, ça, c'est pas simple. Bon courage, camarade. Merci à Esprit Critique, Ivan Sub également. C'est le troisième mois. C'est complètement fou. Merci à toi. Donc, les amis, vous le savez, pour la matinale, on papote, on discute, vous le savez, mais on fait l'actualité. Voilà. On regarde l'actualité d'abord internationale. Après, on fera l'actualité régionale avec la dépêche du midi, je vous propose. Parce qu'il y a une actualité sur laquelle j'ai envie de rebondir. Je l'ai vu passer. Tu vas voir la transition. Et puis, on finira gentiment avec le Parisien. Ça, c'est en France. Ça, c'est en France. Donc voilà, ça c'est la France. Donc les amis, regardez pas plus tard que maintenant, je vais configurer ce truc. J'oublie à chaque fois de le faire. J'ai la tête en l'air. Non mais faut le dire, faut le dire. Et on attaque avec qu'est-ce qui se passe, l'actualité internationale. On va faire un peu les classiques, puis après on ira dans les destinations qui vous plaisent. Vous dites les pays et puis on verra ce que j'ai. Je suis un peu un globe-trotter de la news. Il y a de ça, il y a de ça. Et on va attaquer avec le Times, on va aller du côté de la Grande-Bretagne, nos amis anglais, avec le Times d'aujourd'hui en plus. Donc ça, c'est l'avantage. Sur la couverture, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ça bagarre toujours. Ça bagarre toujours. Pour qui remplacera Boris Johnson? Le match, est lancé entre Liz Truss et Rishi Sunak, donc qui sont les deux potentiels successeurs, du côté, du parti de Boris Johnson. Et puis bon, chacun y va forcément de sa déclaration pour marquer les esprits. Et Liz Truss, elle est pas mal. Liz Truss, si tu veux, c'est une sorte d'Elisabeth Borne à qui t'aurais mis une pile Duracell, tu vois. Je dis pas où tu la mets, mais c'est un peu pareil. Tu la vois, tu te dis, tiens, ça va pas être la lambada. Pourtant, elle envoie. Ah ouais, c'est. Je dirais pas, parce qu'on sait pas encore, j'irais pas jusqu'à dire qu'à côté, Margaret Thatcher, c'est une danseuse de cabaret. Mais. Faut quand même être conscient, je vais vous montrer une petite vidéo, tiens. Tu vois déjà, voilà, bam, 30 secondes de presse, je suis déjà sur d'autres trucs. Non, mais c'est bon, quoi, au bout d'un moment, on se fait plaisir. Il y a eu une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, où, voilà, nanana, par rapport à l'arme nucléaire, tu vois. Et le journaliste, alors déjà, qui est sympa comme tout, hein. Belle moustache et tout, lui dit, ouais, bon, est-ce que vous seriez prêt quand même à appuyer sur le bouton nucléaire? Tu sais, c'est la question, normalement, si tu as fait un petit peu de diplomatie, tu dis, oui, l'époque est compliquée, les temps sont durs, la menace est à nos portes, mais la paix, le respect, et si on peut, on meurt pas, tu vois. Et non, regarde ce qu'elle a dit plutôt. You'll be ushered into a room very privately at number 10. Will be laid out in front of you what are called the letters of last resort. Your orders to our Trident boat captain on whether you, Prime Minister Liz Truss, is giving the order to unleash our nuclear weapons. It would mean global annihilation. I won't ask you. Voilà. Donc pour déjà s'arrêter sur la question, s'il y en a qui ont arrêté l'anglais en CE2. Il n'y a pas de problème, j'en fais partie. Il lui dit, voilà, est-ce que vous êtes prête à appuyer sur le bouton nucléaire, quitte à ce qu'il y ait une annihilation globale. Global annihilation. C'est du britannique, c'est la même chose. Donc en gros, est-ce que tu es prête à faire sauter la Terre globalement? Voilà la réponse. You press the button, you will say yes. But faced
with that task, I would feel physically sick. How does that thought make you feel? I think it's an important duty of the Prime Minister. I'm ready to do that. Voilà. Ouais. Ouais, non, c'est pas rassurant. Voilà. Donc quand je te dis que Liz Truss, attention quand même. Voilà. Et donc là, c'est pour ça que je t'en parle, parce que je te mets en contexte. C'est la une. Truss se dit, enfin, considère la Chine comme une menace officielle pour la première fois. Ouais. Elle a dit yes. Hein. Ouais, il y a Chris Pif qui dit ça dans le chat. Elle a dit yes. Qui veut dire oui. Là, je suis formel. Je suis pas une brute en anglais, mais ça, j'ai quand même. Et donc voilà. Et là, maintenant, elle considère la Chine comme, comme une menace. Ouais. Donc bon, si tu veux, voilà, on commence là-dessus, parce que chez nos Anglais, c'est un peu pareil. Hein. Ils en ont pas des tout frais. Hein. C'est la guerre, les gens meurent, tu leur dis, bon, est-ce qu'on calme un peu le jeu? Ah non, non, on fait tout sauter. Comme ça, s'il n'y a plus de terre, il n'y a plus de guerre. Ah, t'avais pas pensé à ça. Et oui, si tu détruis la planète, tu mets fin à la guerre. Il n'y a plus de guerre. Bon, alors, il n'y a plus d'humains. Ça, c'est bon, ouais, ça, hein. Ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand tu nettoies ton appartement, t'as 3-4 araignées qui sautent. C'est comme ça. Donc, au bout d'un moment... non, mais c'est vrai que... Finalement, c'est une pacifiste. Non, mais il faut prendre le problème à l'envers, parce que, d'une certaine manière, ils n'ont plus vraiment... Enfin, ils ont raison, en fait. Ils ont raison. Si tu fais tout péter, ça va. Faut inverser les choses. C'est comme Emmanuel Macron, ça. On risque d'en parler dans la farce tranquille. J'ai rien dit. Mais Emmanuel Macron, il part en Algérie, devant des gens qui le huent, l'insultent, l'invitent à aller pratiquer la sodomie sur sa personne, pour rester poli, et il est content. Il est merci. Il dit merci. Merci beaucoup. Alors après, bon, chacun a ses aspirations. Hein. Mais, donc voilà, si tu veux, c'est l'inverse pour eux. La guerre, c'est la paix, en fait. Voilà. Pour arrêter le conflit en Ukraine, l'Europe et les Américains envoient des armes. Voilà, t'éteins un incendie avec un bidon d'essence. Ben, quand t'as plus de forêt, ça peut plus cramer. Donc, tu vois, c'est toujours ça qu'il faut comprendre. Parce que toi, tu comprends pas. Toi, tu regardes tes factures, elles explosent. On dit oui, mais quelque part, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Ah, mais l'Espagne, qui est sortie du marché de l'énergie, marché européen de l'énergie, les factures ont pas augmenté. Ah oui, mais parce que ce sont sûrement des réactionnaires, des fascistes. Ah, mais c'est le Parti Socialiste. Ah... Comme quoi. Non, mais c'est curieux, je veux dire, c'est curieux. Et bon, bah, apparemment, Liz Truss, elle est chaude d'aller cacher la gueule aux Chinois. Quoi. Bon, après, je dis pas, hein. Ils sont un milliard, donc. Moi, stratégiquement, je préfère attaquer le Liechtenstein, tu vois. Tu te chauffes. Honnêtement, là, le nombre qu'on est sur Twitch, on se chauffe. Demain, je suis Premier ministre. Vraiment. Hein. D'ailleurs, c'est... bon, je vais être honnête, cette blague, elle est pas de moi, elle est de Guillermo Guise, mais c'est une blague que j'adore. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Donc voilà un petit peu ce qu'il dit pour l'Angleterre. Ça vote aussi la question de l'énergie. On va le voir qu'il y a un petit peu de partout. 1,4 milliard. Voilà, on me dit hein, dans l'oreillette. Mika Cam, car compté hier en Chine, ils sont 1,4 milliard. Donc tu vois, voilà. Raison de plus pour pas y aller. Mais bon, apparemment, la Grande-Bretagne, ils ont pas peur. Donc voilà, ça discute du côté de la nationalisation de l'énergie. Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant sur l'explosion des factures. C'est que les entreprises du secteur de l'énergie, en tout cas sur l'année 2021, font partie de celles qui ont déclaré le plus de bénéfices. Ben, je sais pas. Mais je dis juste que, tu sais, une entreprise, une année, elle peut faire des super résultats. L'année d'après, elle se pète la gueule. Bon, ben, elle pioche dans ses super résultats. Là, c'est tout bénef. Tout bénef parce que, du coup, ben, le marché explose. Il y a vite fait des aides qui sont données aux Français, mais je sais même pas si les entreprises du secteur énergétique vont être impactées. Je sais pas. Non, mais je... Après, je suis pas électricien, hein, mais... Non, mais faut poser la question. Donc voilà un petit peu pour le Times. On va aller du côté de l'Espagne. El País. Et on est sur la migration. Hein. Plus de 155 000 personnes sont arrivées en Europe sur le mois de juillet. Les arrivées augmentent hein, à travers tous les pays, notamment l'Espagne qui est en première ligne, effectivement. Et donc, voilà, on a les demandes d'asile à l'Union européenne ont augmenté de 90% en un an. Ouais. Ouais.
Ouais, ça augmente au même rythme depuis 2016. Donc ça augmente, voilà ce que nous dit un peu El País. On a quoi de beau? J'ai une voix de merde ce matin, non? J'ai la voix du mec qui vient de se réveiller. Pour la simple et bonne raison que c'est le cas. Non, je m'entends, je dis c'est pénible, c'est pénible. Oh là 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 là. Ouais, non, c'est vrai. Voilà, agenda politique, on a un peu la même chose. On a le football. Bah oui, on est en Espagne. Ils aiment le football. Ils aiment le football en Espagne. On a le Real qui s'est imposé 3-1 contre Cornellà. Enfin, à Cornellà. Et le Barça 4-0. 4-0 à Valladolid, ça c'est bien. Ça c'est bien, allez Barcelone. Remco Evenepoel, on a quand même du rugby, on a quand même du vélo aussi. Remco Evenepoel qui toujours maillot rouge sur le Tour d'Espagne, donc ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. C'est le réveil, c'est le réveil. Non, il y a Fusible 86 56, Alice 31 qui est la voix du gars qui a fumé 2 paquets de clopes cette nuit, même pas, tu vois. Je fume pas le soir comme ça. Non, j'ai mangé du poulet hier. Peut-être c'est ça, peut-être c'est le poulet. Je sais pas, mais la voix n'est pas juste. Hein. La voix n'est pas terrible. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que c'est le début d'une extinction de voix. Et on va rire pour les prochains épisodes de la Farce Tranquille. Je sais pas, hein. Tout est possible. Tout est possible. Ouais. On sait pas. On sait pas. Mais donc voilà un petit peu, ça c'était pour nos amis espagnols. Dites dans le chat, hein, si vous voulez voir des pays spécifiques. Voilà quoi, ça c'est aussi l'Espagne, l'Amérique du Sud. Ça c'est l'Inde. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Ouais, ça fait sauter. Ouais, ça a démoli des tours en Inde. Ouais. C'est fou, hein, la une en Inde, elle est riche. Hein. T'as tout le journal sur la une en fait. Le truc fait une page. Derrière, t'as une pub, c'est tout. Donc voilà. Il y a Tarte aux Pommes qui dit: Rémi, peux-tu parler de la Géorgie? Alors est-ce qu'il y a une actualité spécifique? J'ai pas vu passer ça encore. La Géorgie. Alors, est-ce que tu veux le journal géorgien ou est-ce qu'il y a une actualité spécifique? Auquel cas, n'hésite pas à nous le dire dans le chat, hein, cher tarte aux pommes. Le Portugal, tiens, c'est vrai, on n'y va pas souvent au Portugal. Alors là, on va rire. Là, on va rire parce que ma notion de portugais, c'est pas ça. Hein. Tiens, Periódico ou Diario de Noticias. Vous dites. Vous dites. On a quoi? Eduardo dos Santos. Angola, Anteru, Opaida da Nassau. Estadi da Batan Africano. Ils ont enterré quelqu'un. Paix à son âme. Paix à son âme. Je ne sais pas qui est ce monsieur, mais on le salue. On le salue. Efeito da Seca. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Voilà, ça, ouais, aussi pareil. Les gouvernements de l'Union européenne discutent, hein, de donner des visas aux touristes russes. Ouais. Pas les cartes bancaires, t'imagines bien. Non, non, les visas pour venir. Ouais. Alors qu'en soi, les touristes russes, ils y sont pour rien, tu vois. Ils ont rien fait, les Russes. Enfin, les gens russes, hors soldats, hors tout ça, et même les soldats d'ailleurs à la guerre. Mais tu vois, c'est fou, hein. Non, mais c'est fou. Et il y a JNV Pilote, absolument, absolument, qui dit où est passé le Covid. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est juste, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. Et oui, alors, oui, il y a Shiraz 3005 qui a tout à fait raison. J'ai ma juste tasse. Parce que nous aussi, on en avait commandé. On en a pris une petite dizaine, je crois. Ah oui, pour les donner aux copains autour de nous. Et elle est sur mon bureau. Pas le bureau où on fait les vidéos, l'autre bureau. La tuile. Donc non, non, mais vous inquiétez pas, je l'ai. Je l'ai, elle sera là demain. Elle sera là, oui, au juste bistrot. Elle sera là. Pas de problème. Alors on a le pape François également, il y a du football, il y a la mission Artemis, la plus grosse fusée qui va décoller, direction la Lune, pour préparer le fait que des gens aillent sur la Lune. Voilà. Bon, je ne sais pas si le parallèle il est habile ou pas, hein, on papote, hein, mais on est quand même dans un curieux contexte parce que la configuration ressemble quand même beaucoup à celle de la guerre froide. C'est-à-dire qu'on relance un petit peu la guerre des étoiles, parce qu'en vérité, d'aller sur la Lune, on n'en a rien à foutre. Enfin, il y a sûrement 3 types à la NASA qui veulent récupérer un sachet de cailloux pour mener des analyses, et c'est sûrement... Enfin voilà, je sais bien, hein, pas de problème. Progrès spatial, pas de problème. Merci à Chiki2494 qui vient de subprime, c'est le troisième mois, merci beaucoup. Donc si tu veux, bon, c'est bien, voilà, tu ramènes de la caillasse, tu ramènes des extraits de je sais pas quoi, c'est très bien. Mais bon, déjà financièrement, tu sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Parce que les Américains, c'est formidable.
c'est l'inflation galopante, c'est un peu la merde, mais ils t'envoient des armes pour plusieurs milliards de dollars chaque mois à l'Ukraine, et ils vont sur la Lune. Donc, après, il va expliquer au peuple, mais bon, bref, c'est pas le débat. Donc, il y a la guerre des étoiles qui reprend. Je sais que la Chine également a des missions spatiales qui sont des missions d'ampleur, de plus en plus importantes. Bon, la Russie, pour l'instant, ne moufte pas trop, mais on est dans cette configuration-là par rapport à la guerre des étoiles, hein, de retourner sur la Lune, de mettre en avant la supériorité spatiale d'un pays par rapport à l'autre, enfin, d'un grand pays par rapport à l'autre. Et il y a ça, il y a bon, bah, les États-Unis qui veulent mettre sur la gueule à la Russie. Hein. Je pense qu'on va arrêter de se mentir. L'Ukraine est prise en étau entre deux, mais les Américains n'arment pas l'Ukraine pour la beauté de Volodymyr Zelensky. Peut-être un petit peu, mais on sait que c'est une habitude géopolitique assez courante des Américains qui est d'armer des peuples ou des pays qui vont faire le rôle de tampon face à l'autre adversaire qu'est la Russie. Par exemple, c'est ce qui s'était passé avec les talibans dans les années 60-70, même un petit peu plus tard, je crois, fin 70-80. En Afghanistan, les talibans, la Russie envisageait d'avoir la mainmise sur l'Afghanistan, et les Américains ont directement armé les talibans pour résister face aux Russes, en leur promettant monts et merveilles, notamment déjà là à la famille Ben Laden, à Oussama Ben Laden, ce qui ensuite a fait que les talibans, ne voyant pas les promesses être réalisées alors que la guerre froide était terminée, se sont retournés contre les Américains. Donc c'est classique, tu vois. Mais ça, c'est de la géopolitique. Tout ce que je te dis, tu le trouves dans des livres, dans la FNAC, hein, à la FNAC. Hein. C'est pas attention. Hein. Et même si c'est extrêmement résumé, que c'est forcément plus complexe et multifactoriel, on est d'accord, mais c'est à prendre en compte. Donc, je veux dire, l'Ukraine, demain, le conflit change de nature et où la Chine commence à vouloir taquiner les États-Unis à Taïwan, par exemple, l'Ukraine, ils vont bien aller se faire cuire le cul. Je ne sais pas comment on le dit en ukrainien, mais vous allez voir un pays qui va être laissé à l'abandon, parce que c'est un pays sous perfusion aujourd'hui. Sans le soutien occidental, l'Ukraine n'existe pas, en fait. Enfin, c'est un pays qui est corrompu, on le sait, parmi les 10 pays les plus corrompus au monde, qui a une armée qui est quand même plus que questionnable, hein, parce que ça aussi on n'en parle pas beaucoup. Le bataillon Azov, il n'y a plus de problème. Hein. C'est vrai, tu peux être néo-nazi. Aujourd'hui, tu peux. C'est pas. Tu vois? C'est bizarre. C'est comme ça. Mais bon. Tu vois, enfin, c'est toujours l'exemple médiatique qu'on prend. Marine Le Pen, il y a une vidéo qui d'un reportage à la con où elle est en train de caresser un chat. Dans sa bibliothèque, t'as la biographie d'Hitler ou je sais plus quoi. Il y a plein d'autres livres. Mais il y a ça. Et il y a des journaux qui disent, oui, finalement, est-ce que c'est pas un peu le retour du nazisme? En Ukraine, t'as un bataillon militaire, dont plusieurs militaires, disons pas tous, tu vois, je nuance, se revendiquent ouvertement de valeurs néo-nazies. Leur blason reprend des éléments. De la Waffen-SS et autres, il y a des gens qui se prennent en photo avec des drapeaux nazis, ça va. Ça, c'est bon. Parce que c'est des nazis bio, en fait. Donc ça va. Non, mais c'est paradoxal. Je dis pas qu'il faudrait que tout le monde ait droit d'être néo-nazi. Hein. Au contraire, d'ailleurs. Si c'est interdit en France, parce que, bah, effectivement, l'histoire a montré que, à mon avis, c'est interdit partout. Mais apparemment, non. Apparemment, ça va. Donc non, mais bon, on ne sait pas. C'est vrai que les pauvres journaux portugais ont parlé de ça. Tu vois, ça part dans tous les sens. Sinon, il y a Diario de Noticias. Ouais. Ouais, tu vois, c'est marrant. Au Portugal, ils ont les mêmes problèmes. Teresa Fest 240 horas extra en seus meses. Elle a fait 240 heures en plus en 6 mois. Je dirais 6 mois. Donc, non, ils ont les mêmes problèmes, c'est fou, hein. Cette capacité des problématiques à se dupliquer de la même manière dans les pays. Ouais. On parle de la mission Artemis également. On a quoi de beau? Voilà, on a des primes en plus sur le plastique et l'aluminium. En takeaway, donc c'est 30 centimes en plus par commande. Pour l'écologie, hein. Pour l'écologie, on vous a dit. Donc pour l'écologie. Donc non, mais voilà un petit peu. Alors on vous a dit Géorgie, mais Géorgie, j'ai pas, je suis désolé. Non, j'ai pas ça. J'ai pas Géorgie. Suède, il n'y a pas Suède. Il n'y a rien en Suède. Donc. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, qui m'a fait peur le con. Oh, il y a Maître Gims, il m'a fait peur. Merci à Tichou qui m'a donné 100 bits. C'est pour ça qu'on a le Maître Gims. Donc, voilà un petit peu, les amis. Alors, il y a Chris NDL qui dit en Suisse, Lidl fait des tests en cas de coupure électrique. Oui, alors la Suisse, effectivement, on en parle parce que
C'est un pays qui est extrêmement dépendant à l'hiver du gaz, notamment allemand, là où en été, avec les centrales hydrauliques qu'on retrouve en Suisse, elles n'ont pas de problème, c'est même l'inverse. Mais en hiver, par contre, quand la demande augmente, la Suisse est extrêmement dépendante de l'Allemagne, donc c'est chaud. Ouais. Non, c'est chaud, ça va pas être évident pour la Suisse. Enfin, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité internationale, les amis. On va enchaîner hein, tout de suite à une vitesse folle, vitesse folle, avec bah, forcément la presse régionale, qui va attaquer. La dépêche du midi, je voulais vous en parler. Vous allez me voir venir si je regardais le téléphone. C'est pas poli. Je regardais le téléphone. Donc la dépêche du midi, the dépêche from the midday, qui nous dit, alors on va y aller tout de suite hein, parce que vous allez me voir venir. Vous allez me voir venir. La dépêche du midi. Donc on a du Covid-19 quand même un petit peu. Faut pas déconner. Que penser des vaccins de nouvelle génération? Bah, que penser de toute façon, c'est pas la question. Parce qu'on peut déjà même pas penser les vaccins. Voilà. Toute forme critique déjà n'est pas proscrite, mais presque. Donc, que penser? Non, c'est même penser, en fait. Le titre, ça aurait dû être Covid-19, des vaccins de nouvelle génération. Point. Voilà. Donc, on nous dit, hein, quatre nouveaux vaccins doivent faire leur apparition en France dès l'automne prochain, de Pfizer à Moderna, en passant par l'espagnol Hypra et le français Sanofi. Tous sont susceptibles de lutter plus efficacement contre les variants de la famille Omicron. Ces derniers doivent encore être approuvés par les autorités sanitaires. Alors, c'est vrai qu'il y a une entreprise espagnole qui rentre dans la bagarre. Pfizer et Moderna, alors histoire de gros sous, se mettent sur la gueule. C'est parce que tu as Moderna qui a dit à Pfizer, ouais, bon, on s'est gavé tous les deux, parce qu'ils font ça un an après, on s'est gavé tous les deux, mais en fait, le brevet, c'est moi. Le brevet, c'est moi. Et donc Moderna reproche à Pfizer de lui avoir volé son brevet, qui au début était libre, mais après ne l'était plus, je sais pas quoi. Voilà, des histoires de gros sous. Tu sais, toi, tu arrives, tu dis, excusez-moi, monsieur Moderna, monsieur Pfizer, juste de... Parce que là, vous vous bagarrez les gros sous et tout. Mais nous, au milieu, comment on fait, en fait? Parce que, donc, l'autre, il a copié le brevet, un truc qui était libre, qui n'est pas libre, vous faites du pognon. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Parce que moi, je suis quand même à la 33e dose. Du coup, qui a le bon brevet? C'est juste pour être au courant, parce que j'ai un trou de balle qui est en train de pousser au milieu du front. Et c'est pas évident, évident. C'était juste pour ça. Voilà. On en est là, quoi, si tu veux. Donc, bon, bah, là, c'est nouvelle génération. Et t'apprends que quatrième dose, la France, elle la traîne. Bah oui. Quand c'est pas obligatoire, ou quand tu fais semblant que ça ne le soit pas, mais voilà, quand c'est obligatoire. Quand c'est pas obligatoire, les gens n'y vont pas. Hein. Bah parce que c'est ce qui s'appelle normalement la confiance. Si tu donnes confiance aux gens, ils y vont. Un Doliprane, dès que t'as mal au crâne, tu prends un Doliprane. Parce que t'as confiance. T'as ta tigénine, elle te l'a déjà dit. Une fois qu'elle a bu un coup de rosé en trop, elle se prend un Doliprane. Ça va. Et donc là, comme les gens n'ont pas trop confiance et que c'est plus obligatoire, bah ils y vont pas, quoi. Voilà. Tu vois, on est quoi? Depuis le début de la pandémie, près de 190 millions de doses de vaccins ont été distribuées. En France, hein, on est 67 millions d'habitants. C'est pas le sujet. Au 23 août, 59,8% de la population a reçu une primo-vaccination complète et une dose de rappel. Oui, alors, parce que bon, je lève le sujet, mais promis, hein, je suis pas complotiste ou je suis pro-vaccin, j'adore ça, les aiguilles et tout. Mais c'est quand même curieux parce que. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est quand même curieux parce qu'on sait plus qui fait quoi en fait. Au début, on t'a dit c'est un vaccin en deux doses. Après, tu as le booster, tu as le rappel du booster, tu as la troisième dose qui est surprise, tu as la dose offerte. Bon. Donc là, c'est. On sait pas. C'est la primo-vaccination complète, donc apparemment c'est 3, plus le rappel. Ouais, c'est... On sait pas, hein. On sait pas. Donc voilà un petit peu ce qui se dit. On a quoi, ouais, les différents types de vaccins? Bon, ça, de toute façon, on nous le dit hein, depuis le début de cette affaire, en vérité. On a quoi? Bon, ouais, 19,6%, c'est le pourcentage de Français qui n'ont pour l'heure reçu aucune dose de vaccin. C'est énorme, ça, non? En France, il y a 20% de non-vaccinés. Ça me paraît énorme. Je ne sais pas si vous... Oui, bon, en même temps, c'est la presse, hein, donc moi, je valide. Mais ça me paraît... Je pensais que c'était beaucoup moins, en fait. Ouais, tu vois. Non, mais c'est l'avantage de la matinale, hein, j'en découvre avec vous.
Ouais, on a quoi d'autre sinon? Nous ne sommes pas certains de leur gain d'efficacité. Ah merde. Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique vaccination à la HAS. Ah bon? Faudrait s'entendre, les gars. Faudrait s'entendre. Voilà. Que savons-nous de l'efficacité de ces vaccins bivalents face à Omicron? Pour l'heure, nous n'avons pas de données qui nous montrent la protection effective qu'apportent ces nouveaux vaccins aux personnes infectées. Nous ne pouvons aujourd'hui savoir ce que l'on va gagner en termes d'efficacité clinique grâce à ces vaccins. On est à un stade où l'on peut se réjouir de bénéficier de vaccins adaptés à Omicron, mais nous ne sommes pas certains de leur gain d'efficacité. Ah bon? C'est fou quand même. Est-ce une pratique courante d'approuver un vaccin sans avoir accès à ses données cliniques sur l'homme? D'un côté, ça ne devrait pas se faire parce que les données cliniques d'un vaccin sur l'homme sont importantes. Dans un contexte comme celui-ci, il est difficile cependant d'établir l'efficacité d'un vaccin sur l'homme. C'est en fait ce que l'on fait avec le vaccin grippal. Chaque année, la formule de ces vaccins change et l'on n'attend pas d'avoir accès à quelques données cliniques pour que ce soit pour autoriser la mise sur le marché. Ah bah ça, enfin on y vient. Non mais c'est intéressant parce qu'effectivement c'est ce qui se passe sur la grippe. Chaque année, le vaccin grippal mise en gros sur une souche qui devrait être la souche dominante de la grippe chaque hiver. Donc à la limite on y vient. Au moins ça je trouve ça clair, je trouve ça honnête. Qu'on soit bien d'accord, le sujet c'est pas se faire pour ou contre vacciner. Hein. Ceux qui suivent les vidéos depuis le début, je suis clair là-dessus, vous faites absolument ce que vous voulez. Mais il faut donner les infos aux gens, quoi. Et là on y est. On va distribuer des vaccins qui potentiellement vont redevenir obligatoires, ça on ne sait pas encore, mais qui n'ont pas été testés sur l'homme. Voilà, c'est un pari, comme ce qu'on fait sur la grippe. Mais si à la base, tu as un vaccin, une forme de vaccin, une formule de vaccin qui est validée, et tout ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a eu les validations, je ne sais pas. Mais donc voilà, comment détermine-t-on les effets indésirables? Il n'y a pas d'effet indésirable, de toute façon. Il faut le dire, hein, il n'y a pas. Parce que... Parce que je me vaccine, je me protège. Ouais, non, en fait, faut arrêter, quoi. L'histoire des panneaux, hein, on va y venir, parce qu'ils sont censés en parler dans la dépêche du midi. On a quoi d'autre? Sinon, bon, le partenariat entre Paris et Alger, bon, il n'y a pas eu... Enfin, voilà, quoi. N'y a pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose. Ils ont signé une déclaration qui, je cite, « renouvelle leur engagement à inscrire leur relation dans une dynamique de progression irréversible ». Ouais, il n'y a rien eu en fait. Non, mais il n'y a rien eu. Cette scène lunaire, je résiste pas à l'envie de vous la montrer parce que c'est terrible. C'est vraiment terrible. Cette scène lunaire, regardez par Maître merci à Tichou qui va donner 100 bits également, merci beaucoup. Oui, on va y aller sur le Parisien. On va y aller après, promis. Donc, regardez, ça, c'est la vidéo officiel publié sur le compte d'Emmanuel Macron le 27 août. Voilà. Le bain de foule, ça serre des mains, on est bien. Il y a une autre vidéo. Il y a une autre vidéo par contre qui a tourné. C'est ça, c'est moins ouf, c'est moins la folie. Voilà. C'est le même Macron, c'est toujours le même. Voilà où on en est. Donc, les gens, bien sûr, hein, il y a Fusible 8656 qui, oui, il y a un gros mot, véritablement, qui
lui propose, je peux pas dire parce qu'après on va me faire interdire le Twitch, il paraît, faut pas dire le gros mot, mais on est sur une relation sexuelle qui se pratique dans un endroit qui normalement n'est pas fait pour ça. Voilà, hein, je te fais pas un dessin. Et lui dit, les gens crient ça, One, two, three, il est Algérie, c'est très bien, ils sont en Algérie, hein. Il y a des gros mots, il insulte et tout ça, et il dit merci. Il dit merci. Oui, à un moment donné, ils disent One, two, three, vive l'Algérie, mais ils disent pas que ça. Et il dit merci. Il dit merci, il est content comme tout. Tu vois les gardes du corps qui sont en alerte générale. Hein. Les gardes, je ne sais pas si vous avez tendu l'oreille sur la fin, mais les gardes du corps qui lui disent il faut y aller. Donc on n'est même pas à l'abri d'un lynchage, quoi. Mais rendez-vous compte, il y a des types un peu vénères qui se promènent dans le coin. Face au dispositif de sécurité, au bout d'un moment, ça peut craquer. Et tu as un président, tu as le président français, quoi. Mais il faut se rendre compte, hein. Il faut se rendre compte de cette scène. L'autre, c'est OSS 117, ça, il débarque, oh, ils sont sympas, ces eunuques. Mais c'est OSS 117. Il ne se rend, mais je sais pas, en fait, si. Peut-être qu'il s'en rend compte, peut-être qu'il n'entend pas, j'en sais rien. Hein. Faut pas exclure la moindre possibilité, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. D'avoir une telle distorsion de perception par rapport au réel. Les gens l'insultent, son service de sécurité dit il faut y aller, et le mec il est content, il monte sur le truc, le libérateur d'Alger. J'ai pas compris. Je vous avoue, j'ai pas compris, mais bon. Tu vois, ouais, voilà, effectivement, il y a Arcanise, hein, première fois sur le chat, merci beaucoup, qui dit en plus, il monte sur la voiture, le haut du corps bien à découvert, il aurait pu se faire tirer ou lancer un truc dessus sans problème. Absolument, absolument. Il le fait au mépris de toute la sécurité normale. C'est assez hallucinant, c'est vraiment assez hallucinant. Cette scène-là, je reviens avec vous là-dessus, parce que quand dans les journaux on lit nouveau partenariat entre Paris et Alger, c'est pas un partenariat. Surtout que dans le même sens, enfin dans le même temps, on a la France qui est venue faire des pieds et des mains pour essayer de négocier sur le gaz algérien, l'Algérie qui est un des principaux extracteurs de gaz au monde, exportateurs de gaz au monde. La France, on n'a trop rien, parce que vous imaginez bien que si on avait eu un accord direct avec l'Algérie, on aurait communiqué dessus. Nous, on n'a rien. Et l'Italie, par contre, a eu un accord dans le même temps, alors que Macron était encore en Algérie. Donc, une fois de plus, on est les cocus de l'affaire, mais à juste titre. Je veux dire, à juste titre. Enfin, au bout d'un moment, et je dis ça en tant que Français, ça me fait de la peine de voir mon pays comme ça, humilié, sortie après sortie. Mais rappelez-vous, il y a eu le Cameroun. Maintenant, on va en Algérie, c'est pareil. Je veux dire, comment on peut avoir envie de travailler avec la France, je veux dire. Enfin, c'est n'importe quoi. Emmanuel Macron qui va au Cameroun reprocher à la Russie de faire du néocolonialisme. L'autre, il débarque, il se prend pour le général de Gaulle à Alger en 61. Il monte sur la bagnole et merci. À deux doigts de dire je vous ai compris, quoi. Mais non. Enfin, non, c'est assez lunaire. C'est assez lunaire. On continue. On a toujours un petit peu d'Ukraine parce que bon, ben, faut maintenir le couvercle. Hein. Risque de pulvérisation de substances radioactives à la centrale de Zaporijjia. Ouais. Voilà, parce que voilà, donc c'est peut-être la faute de ceux qui tirent dessus, mais on sait toujours pas. C'est fou quand même. Enfin, une fois de plus, question de bon sens, je défends pas l'un ou l'autre, c'est pas le sujet. Mais c'est quand même fou parce que il y avait eu le missile à la gare, tu sais, une gare en Ukraine, une gare qui avait été bombardée, c'est dramatique, il y avait eu des morts et des blessés. Une heure après l'explosion, on savait que c'était un missile russe. Zaporojye, ça va tirer, ça va faire bientôt 3 semaines. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ça va faire 3 semaines. On sait pas. On ne sait pas qui tire. C'est fou, hein? Non, mais c'est pas, voilà, c'est comme ça. La hausse des tarifs gaz et électricité sera contenue en 2023, d'après Bruno Le Maire. Bon, ben, je vous préviens, il va falloir acheter des allumettes, parce que là, on est dans la merde. Parce que Bruno Le Maire, pareil. Faudra en reparler un jour de Bruno Le Maire. Il dit n'importe quoi. Hein. Lui aussi. Hein. En fait, je vous avoue, je suis sur un coup. Je sais pas si ça vous tente, vous dites. Vous allez me dire vous, parce que. Oui, j'ai vu Funky Dude, le truc au Touquet, un DJ. Non, mais en fait, je sais même pas si je peux mettre la vidéo, parce que le mec a insulté Macron, mais vénère, à un concert, enfin, un festival électro au Touquet. Enfin, un festival, je sais pas si c'était purement électro, mais un festival au Touquet. Et le mec a insulté Macron. Sauf qu'apparemment, Macron arrivait juste après, où il était déjà là, je sais plus, il fait un truc vénère. Je vous le mettrai, puis au pire, on se fait censurer le truc, on se fait censurer le truc. Oui, donc je prépare peut-être une vidéo sur Bruno Le Maire et toutes ses déclarations successives qui montrent qu'en fait, il dit n'importe quoi. Soit il n'a aucune compétence, soit il dit n'importe quoi.
Donc voilà. Salut mon Bignat qui vient nous saluer, qui a un rendez-vous dans quelques minutes. On t'embrasse mon Bignat, j'espère que tu vas bien. Donc on va voir cette vidéo, elle va sortir bientôt. On a Mélenchon en retrait, pas en retraite, hein, qui est toujours. Bon, Mélenchon, plus ça va, plus c'est Palpatine de la gauche. C'est fou, hein, il lâche pas le truc. Hein. C'est terrible, hein, c'est terrible. Ah oui, on a Michel Drucker, hein, qui sera sur France 3 à la rentrée. Ouais. Ça y est, c'est fait. C'est plus France 2. Donc c'est quoi dimanche sur France 3 entre 13h30 et 15h, on prendra le café ensemble. Donc ça va être sûrement vivant dimanche. Vivant dimanche. Carcassonne, la réussite familiale de la licoristerie Cabanel. Oh, ça doit être bon. Ça doit être bon. On les embrasse, on les salue. Cabanel Mante, ça c'est bon. Ça. Oh. Bon, le matin c'est fort, mais ça fait plaisir. Les tapisseries flamandes, Montpezat de Quercy. C'est beau comme coin, ça. C'est beau comme coin. Toulouse, Toulouse, la belle Toulouse, la grande. Une partie de la vigne est menacée, oui, avec les chaleurs qu'il y a eu. Hein. Les vignes, ça part un petit peu. En cacahuète, la mission Artemis, on en a déjà parlé. En attendant la folie de septembre, ça c'est la fiesta. Réouverture, oui, d'une ligne de TER, ça c'est dans le Gard, ça c'est la famille. Je salue la famille. Hein, réouverture de la gare, la ligne ferroviaire entre Nîmes et Pont-Saint-Esprit, donc ça c'est bien. Bagnoles sur Seine, on embrasse nos amis gardois. On a eu quoi? Bon, ça c'est les courses. Le TFC Toulouse qui jouait hier contre Nantes, c'est ça, 27 août. Maintenant, il n'y a pas le score déjà. Ah oui, mais d'accord, mais c'est pas celui de. C'est celui de quand? Celui de dimanche. Ils n'avaient pas le résultat encore, les bougres. Ah, PSG, ouais, tiens, on fait un peu sport. PSG, un partout. Ouais, en vrai, je suis content. Je ne vais pas vous mentir, je déteste le PSG. Tiens, on fait un peu sport parce que c'est les pages sport de la dépêche. Je peux pas blairer le PSG. Là, ils avaient mis des branlés à Clermont Foot, la Garenne Colombes, Bourg-la-Reine, c'est des clubs en bois, quoi. Enfin, sans manquer de respect. Mais enfin, les autres, tu as Mbappé, Messi, Neymar. Si tu bats pas Clermont Foot, faut faire du badminton. Et là, ils ont fait un partout contre Monaco. Tu vois, Monaco, avec Nubel, ils ont eu un gardien, c'est une pompe à vélo, ils ont fait un partout. Et donc, tu vois, le PSG aux trois premiers matchs, alors ils ont mis des volets à tout le monde. Hein. Et ils ont dit, oh, PSG, ça y est, c'est l'effet Galtier, c'est leur nouveau coach. La Ligue des Champions, ils vont tout gagner, ils vont tout rafler. Allez, Monaco, un partout à dégager, voie 12. Ils jouent la Juventus dans 9 jours. Je vous dis que la Juventus va gagner. Vous l'aurez entendu ici. Voilà. Ça va nous faire du 3-1 pour la Juventus, ça dégage. Ah ouais. Ah ouais, non, si. Juventus qui a fait match nul contre l'AS Roma, mais c'est quand même un autre niveau de jeu. Ouais, t'as Saint-Etienne aussi qui a pris. Ils ont pris 6-0 contre le Havre. Ouais. Ah non, c'est n'importe quoi. Enfin, bref, PSG, ça, ouais, il y a Sabla 81 qui dit la Juventus, c'est pas fort, mais c'est niveau Monaco, absolument. Et c'est déjà pas mal. De toute façon, PSG, c'est toujours pareil. Ils changent d'entraîneur tous les ans. T'as les meilleurs joueurs du monde qui débarquent. Sergio Ramos, Messi, le pape François, Sangoku. T'as tout le monde qui arrive. Les trois premiers matchs, ils jouent des clubs en bois de Ligue 1. Et là, c'est bon, c'est l'année, c'est sûr, c'est l'effet du nouveau coach. Et puis après, premier match de Ligue des Champions, caca culotte, il n'y a plus personne. Puis c'est la longue décrépitude jusqu'à une élimination en quart contre, je sais pas quel club, Brenzel, des clubs à la con de Coupe d'Europe, c'est. Puis après, ça dégage. Donc, voilà, c'était le petit coup de gueule du matin. On a les All Blacks qui ont perdu contre l'Argentine. Ça, c'est incroyable, 25-18, c'était samedi matin. J'ai regardé. Incroyable, c'est chaud pour les All Blacks, à quasiment un an de la Coupe du Monde, on a les All Blacks qui sont vraiment à côté de leur godasse, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, plutôt une bonne nouvelle, et qu'est-ce que je voulais vous dire, et oui, les panneaux, la préfecture ordonne le retrait des panneaux anti-vax, c'est pour ça que je vous proposais de lire la dépêche du midi aujourd'hui, parce qu'on revient sur cette histoire de panneaux. La préfecture a pris un arrêté pour interdire la campagne d'affichage anti-vaccination présente sur près de 35 sites. Alors, je vais vous lire l'article en intégralité. Comme ça, après, on va débattre un petit peu là-dessus, puis on finira sur le Parisien. La campagne d'affichage anti-vaccination contre le Covid-19 et diffusant des informations mensongères vit ces dernières heures. La préfecture de Haute-Garonne a finalement ordonné samedi 27 août, par le biais d'un arrêté, son interdiction. L'arrêté impose à l'annonceur, à l'association Réinfo Covid et à l'affichiste, la société Luqueta Peinture et Sérigraphie, de procéder au retrait de ces affiches dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêté qui a été effectué ce jour, est-il précisé dans un communiqué. Depuis la semaine du 15 août, les panneaux hébergeant les affiches du collectif Réinfo Covid se comptent par dizaines dans la métropole toulousaine. Selon nos informations,
de Beauzelle à Toulouse, en passant par Coulommiers, Tournefeuille ou Cugnot, 35 sites ont été recensés. Lundi 22 août, après la demande de plusieurs acteurs, médecins, Conseil de l'Ordre des médecins et Madame Sonia Baquès, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, le préfet de la Haute-Garonne et le directeur général de l'Agence régionale de santé, ARS Occitanie, ont adressé un signalement au procureur rappelant que cette campagne d'affichage est susceptible de constituer une infraction passible de poursuite pénale, qui sanctionne d'une amende de 45 000 euros la publication et la diffusion de nouvelles fausses, notamment lorsque faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler. Sur Internet, on peut désormais trouver des t-shirts, des sacs, des bavoirs pour bébés, des autocollants reproduisant les messages de l'association contre la vaccination pour préparer les manifs de septembre. Ces désinformateurs sont très présents sur les réseaux sociaux. Il est plus que temps que le gouvernement soit conscient de leur pouvoir de nuisance et du danger qu'ils représentent. Il faut que ça s'arrête, commente le docteur Jérôme Marty, président de l'UFML, Union française pour une médecine libre, le premier à dénoncer cette campagne publicitaire mensongère. Il rappelle que la vaccination contre le Covid-19 a fait ses preuves, qu'elle a été très surveillée, que les chiffres utilisés par les infiches de Réfo-Covid sont manipulés. Voilà, les chiffres sont manipulés. Alors pourquoi je voulais tout vous lire ? On est d'accord, on n'est pas d'accord, qu'on ne sait pas non. C'est pas le sujet. Comme tout, on peut être d'accord, on peut pas être d'accord. Le format, on peut discuter, on peut débattre de tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que jamais, et si vous l'avez trouvé, alors je suis preneur parce que je ne l'ai jamais vu, si vous trouvez un article et ou une vidéo et ou quelqu'un qui a expliqué que ces chiffres étaient faux, qui a démontré que ces chiffres étaient faux, je suis preneur. Parce que à ma connaissance, je ne l'ai jamais vu. Donc on attaque ces panneaux parce qu'ils diffusent une info qui en gros ne devrait pas être diffusée. Et on dit oui mais vous comprenez, quand on demande en fait les vraies raisons, là c'est pas évident. Les chiffres sont manipulés. Qu'est-ce que ça veut dire? On est obligé de manipuler un chiffre. Quand on prend un chiffre, on est obligé de le sortir d'un contexte. Si vous donnez le nombre d'accidents de la route, vous dites, bah, je sais pas, il y a eu 1500 tués en 2022 sur les routes. Je dis n'importe quoi, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Le chiffre, il est un peu isolé. C'est sûr qu'on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas la répartition, si c'est plutôt au moment des fêtes, plutôt la nuit, plutôt le jour, plutôt dans le nord, plutôt dans le sud. Forcément qu'un chiffre, il est manipulé, obligatoirement. Et donc, on voit bien que là, on est sur une rupture de liberté d'expression. Je parle bien de liberté d'expression parce que si le chiffre avait été... si on avait prouvé que le chiffre était faux, on n'est plus dans la liberté d'expression. Effectivement, on ne peut pas dire des conneries non plus. Je ne peux pas dire, je ne sais pas, demain, je me réveille, je dis, ouais, la Badoit rouge tue 1500 personnes par jour. Effectivement, si j'ai aucun chiffre, c'est absurde et c'est dangereux parce que ça peut faire peur à des gens qui aiment bien la Badoit rouge. Mais là, qu'on explique pourquoi ces chiffres sont faux, moi je veux bien l'entendre, mais qu'on l'explique. Et cet article, par exemple, de la Dépêche du Midi, où ça s'est passé à Toulouse, donc voilà pourquoi je voulais prendre ça, ils sont quand même en première ligne, on n'a rien. On dit, voilà, dans l'arrêté qui est pris, la diffusion de nouvelles fausses, notamment lorsque faite de mauvaise foi, alors c'est quoi? Déjà, entre une fausse information et de la mauvaise foi, moi j'ai connu France 2, par exemple, qui parlait d'une fâcheuse erreur. Bon, et si ça, c'est pas de la mauvaise foi, je sais pas ce que c'est. Pourtant, personne n'interdit France 2. Donc, voilà un petit peu sur cette affaire. Je voulais revenir là-dessus avec vous, parce que cette histoire de panneau, ça m'énerve. Ça m'énerve. Faut bien comprendre tout ça. Et voilà un petit peu cette affaire de panneau, mais on va continuer les amis, puis on va finir gentiment. Il est 9h11, tu vois, on est pas mal, on va finir en toute souplesse avec le Parisien, l'actualité nationale, parce qu'en plus on dit qu'il y a le copain Alexis Poulain qui va commencer, donc c'est normal. Il y en a pour tous les goûts, puis moi je vais aller bosser, on est lundi, hein, il y a une semaine de boulot à envoyer, donc voilà. Le prix du mégawatt-heure qui explose, hein, vous le savez. L'augmentation des prix qui est monstrueuse. On a quoi de beau derrière? Ailleurs en Europe, la facture s'alourdit. Prix régulé en hausse de 80% au Royaume-Uni. Un coût annuel par ménage qui pourrait atteindre 8 000 euros en Belgique. Nos voisins subissent de plein fouet cette flambée. De partout, sauf curieusement l'Espagne et l'Italie. Alors là, est-ce que il me semble que c'est l'Espagne et l'Italie qui ont quitté le marché de l'énergie européen. Je vais vous montrer parce que c'est très intéressant et cette info est sortie notamment. Voilà, il y a plusieurs personnes sur Twitter qui en ont parlé avec ce même visuel qui pour l'instant n'a pas été débunké, comme on dit. Ils sont sortis du marché européen, donc ils ont quitté le marché européen de l'énergie. Ils sont à 180 euros. Le mégawatt-heure, regardez les données de marché hein, qu'on peut avoir.
Là où la Suisse 580, l'Allemagne et Luxembourg 626, la Belgique 626, la France 626, voilà. J'ai pas l'explication technique là-dessus, mais cette info, pour l'instant, qui n'a pas été contredite, personne n'est revenu dessus. Même Fabien Roussel, qui dit oui, nous appelons à une révolution énergétique et nous demandons que la France sorte du marché européen de l'énergie, à l'image de ce qu'ont fait l'Espagne et le Portugal. C'est l'Espagne et le Portugal, c'est bien ça. Même Fabien Roussel en parle, et on voit bien que, une fois de plus, on a un vrai problème. D'où vient cette augmentation des prix? Est-elle purement une question de marché ou est-elle aussi une question de volonté politique? Je sais pas, je sais pas, mais je comprends pas comment de l'Espagne à la France, t'as le Pertus. Donc bon, t'as 3-4 prostituées, mais c'est pas elles qui font la différence. Je comprends pas une telle différence. Regardez quand même. On passe de 180 euros le mégawattheure en Espagne à 626 en France. Pour la simple et bonne raison que l'Espagne a quitté le marché européen de l'énergie. Donc ce qui veut bien dire que ça n'est. Enfin, ce qui me semble être, c'est un peu un truc de bon sens, je sais pas. Mais on voit bien qu'il y a un accord européen qui fait gonfler les prix. Pour quelle raison, ça, on ne sait pas. Mais voilà un petit peu où on en est. Et donc on se retrouve avec des médias comme Le Parisien, qui, vous avez vu, ils font un peu peur. On a encore cette logique de la peur. Et sauf erreur, on ne parle pas, voilà, en Italie, Royaume-Uni, Allemagne. Sauf erreur, on ne parle pas de ce qui se passe en Espagne ou au Portugal. Je le parcours avec vous quand même, mais non, voilà, on n'a rien. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc, c'était juste pour vous montrer, ça c'est Le Parisien. Et puis par contre, on a Olivier Véran qui nous dit, ce qui se passe en Angleterre ne se passera pas en France. Pareil, Olivier Véran, bon, si vous voulez. Hein, pas besoin de commenter, je pense qu'on est à peu près d'accord. Donc voilà, sur ça. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, entretient une relation privilégiée avec le chef de l'État, donc ministre de la Justice, mise en examen, voilà. Quand je vous dis, hein, je râle un petit peu, puis après on va y aller, mais quand je vous dis que il ne se cache plus, il ne se cache plus, voilà. Vous avez un ministre qui est mis en examen, et t'as des médias qui t'expliquent qu'en fait, c'est un copain, c'est le copain du président, tout va bien, le chouchou du président Macron, un potentiel délinquant, présomption d'innocence, mais un potentiel délinquant. Et ça dérange personne. T'as pas, t'as l'article du Parisien, t'en as pas un qui va dire oui, bon, quand même, ça le fait moyen, tu vois. Non, ça roule. Donc voilà, on a ça, la traque des piscines non déclarées, ça on en avait parlé. J'avais fait une petite vidéo là-dessus, avec ces histoires d'utilisation de Google, là, vue satellite et tout, bref. Complètement zinzin. Le prénom pour les enfants, alors on a le top des prénoms, ça on se le lit parce que ça fait toujours plaisir. Pour les filles, hein, les cinq premiers, c'est Jade, Louise, Emma, Ambre et Alice. Pour les garçons, c'est Gabriel, Léo, Raphaël, Arthur, Louis. Voilà. C'est du classique. Moi, ouais, j'aime. Il n'y a pas encore Kylian, tu vois. Kylian Mbappé, qui apparemment s'est fait marabouter. Non, je suis très sérieux en fait. Ouais, on va finir là-dessus parce que le Parisien, de toute façon, il me gonfle, ils m'ont gonflé. On va finir là-dessus parce que t'as une histoire à la con. Je sais pas si vous avez suivi. On en est qu'au début, mais à mon avis, on n'a pas fini de se foirer la gueule. Je vous jure que tout ça est vrai, c'est sorti hier. Paul Pogba, vous voyez qui c'est, le joueur de foot. Mais il y a son frangin, enfin, l'un de ses frangins qui s'appelle Mathias, qui a fait une vidéo sur les réseaux sociaux, qui a dit oui, je vais balancer des trucs sur Pogba. Et sur Mbappé. Donc, tu vas balancer quoi? Que finalement, ils ont une maîtrise de physique quantique et que c'est pas des footballeurs. Voilà. Et non, mieux que ça, parce que forcément, donc l'autre a mis un peu la pression, ça s'est emballé. Pogba porte plainte, et apparemment, Pogba a porté plainte pour une histoire d'extorsion de fonds, ça c'était quoi? D'enlèvement. Il s'est fait enlever au dernier rassemblement des Bleus. C'était en France, hein, ils étaient à Paris. Pogba s'est fait enlever pendant plusieurs heures par des types, apparemment, d'après les médias, des amis d'enfance, dont son frère, qui était là, Mathias Pogba, et qui lui réclame 13 millions d'euros pour une histoire de protection. C'est-à-dire que ça fait, les gars lui ont dit, ça fait 13 ans qu'on me protège, je sais pas quoi, et c'est 1 million d'euros par an. Le ticket de caisse, il est pratique comme ça. Et apparemment, il y a des révélations aussi comme quoi Pogba aurait contacté un marabout pour marabouter Mbappé. Ce que je vous dis est dans les médias. Voilà, c'est la France. Non, mais c'est fou.
Voilà, on va finir là-dessus parce que c'est vraiment une actualité zinzin. Et effectivement, il y a Le Gorin qui dit hier c'était fou parce que l'info est sortie, mais je crois que c'était sorti hier après, peut-être samedi soir. Et il y a le PSG qui jouait. Effectivement, Mbappé, il a tout raté, mais vraiment tout raté. À un moment donné, il y a une action, je crois que c'est Neymar qui tire sur le poteau gauche. La balle revient, mais dans les pieds d'Mbappé qui se retrouve devant des buts vides à droite des cages. Il tire sur le poteau, ça rentre pas. Non, apparemment ça marche. Apparemment ça marche. C'est vrai qu'on s'en fout, mais moi j'ai trouvé ça zinzin. Je voulais le partager avec vous. Enfin bref, les amis, on va finir là-dessus. On va finir là-dessus parce que au boulot, en avant-toute, envoyez du bois. Là, faut y aller cette semaine, encore une semaine riche qui nous attend, qui vous attend de partout sur Juste Milieu, sur Juste Culture. On a le reportage sur Venoge Festival qui est sorti. N'hésitez pas à aller faire un tour. Donc, les amis, d'ailleurs, Edouard, est-ce que tu peux nous mettre en régie le lien vers ce reportage? Voilà, ça fait toujours plaisir. On va finir là-dessus. Les copains, on va se retrouver dès demain, pour le Juste Bistrot. Pour le Juste Bistrot, vous le savez, on se retrouve. Ça va être beaucoup de plaisir. Ça va être beaucoup de plaisir, on se retrouve ensemble, ça va être génial. Bonne journée, bon café si vous avez votre tasse, la juste tasse, bien sûr, ça fait plaisir. Je vous embrasse, je vous salue, semaine riche. Je vous donnerai plutôt le programme demain, il faut encore caler deux, trois petits trucs. Mais voilà, on va se régaler, on se retrouve demain, 11h30, le Juste Bistrot, vous le savez. Je vous salue bien bas, gros bisous, bonne journée à tous, bon courage. Et puis voilà, vive la rigolade et vive la France, tout simplement, c'est tout.